Yup, 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 mes loulous, c'est tonton Tomic sur Isaac. Allez, je m'étais dit que j'arrêterais, que je ferais une pause, et puis finalement, la drogue. Hein. On y retourne avec Apollyon pour faire Daddy. Et là, le Void. Action. Réaction. On va pas le Void, hein. Direct comme as, quoi. Fait plaisir. Mais allez. Ça va. C'est bien. Bon début. Oh putain, le truc à 15 balles, là. Il faudrait juste une bombe. Mmh. 14. Ça sent pas bon. Ah. Ça m'a déconcentré. Une clé. Ah, sa mère. Bon, on a gagné en puissance, on va faire le boss. Action. Ah, c'est pas génial. Au secours. Mais putain, je les ai jamais eu ceux-là. Oh là là, mais c'est pas possible. Ouais, par contre, la récompense est bien. Putain, je veuille de rien. Ah, ça fait yesh là, les deux cœurs. Bon. Tant pis. Pas cool. Vous êtes pas cool. Oh. Mais putain. Allez, mais bien, papa, je vais crever. Oh là. Ouf. Merci le cœur, on survit. Ouais. C'est pas comme ça qu'on va aller loin. Putain, puis je rate tout. Oh, vas-y, connard. Juste connard. Allez, remonte.
Putain, mais... Je pourrais avoir un jour... mon item. Ah, quand même. On s'en fout. Hein. Groups. C'est Conhead. Attends. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Qu'est-ce qu'il fait déjà Conhead? Alors. Qualité 2 quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Alors ça donne un cœur d'âme déjà, ouais. Tous les dégâts pris par le joueur ont une chance de ne pas enlever de vie. Ceci inclut les dégâts pris par les larmes, contact, explosion, porte maudite, machine dedans du sang, mendiant démoniaque. Les dégâts suite à un contact avec un ennemi sont difficiles à éviter car l'annulation des dommages ne procure pas de frame d'invulnérabilité. D'accord, le joueur devient brièvement bleu quand les dégâts sont annulés. Comme pour ma famille, le flash bleu peut survenir même pas. Ouais. Une chance, on connaît pas la chance, j'ai zéro de chance. Je void. Ah, plus de puissance, plus de vitesse de tir, c'est parfait. J'ai bien fait. Ok. Ouais. Que dalle. Que chi. Coffre au milieu et échoue. On va imaginer à quel point les pics ils vont bouger quand on va tout faire péter. Donc c'est non. Bon alors je vais mourir au boss, c'est ça? Même si j'ai 5,65 de dégâts. Maman, putain! HP et le cup. Survivance. Bordel. Mais putain! Mais... J'ai vu un rocher marqué, ouais, ça vaut peut-être le coup. Là. Petit bruit, c'est où? C'est là. Ok. Allez, plutôt là. Okay.
On va chercher d'abord l'item. Grosse salle. Bon. Foiré. Ah putain. Le problème c'est que c'est des sacs à PV, c'est merde. Putain. Au secours quoi. L'échelle est sympa, hein. Mais bon. Vous êtes des enculés. Alors après... Hein. Voilà, je suis bête. Merci à la physique du jeu. Bon, mon item, bordel! Pardon. Toujours pas, s'il vous plaît. Les avoir. Et bon. Ok. Putain, mitre en dire. Pourquoi j'arrive pas à me le mettre en tête celui-là? Tous les cœurs rouges à ramasser en cœur d'âme, voilà, c'est... Y'a pas un truc en plus, quand même. Si, on remarque, c'est pas mal, hein, là. Pas à dire. Ouais, je le fais. Ça donne du style. Ok, bon, je suis à 5,84 de dégâts. J'ai pas fait la secrète, mais j'ai que deux bombes. Bon, ben, c'est le boss, hein. Ça m'arrange, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Attends, il y a le coffre en or là-haut. Pourquoi j'y ai pas touch? Ah oui, c'est parce que oui, c'est. Allez. Parfait.
J'allais dire, est-ce que ce serait pas Pertro ça? Mais si, tout à fait, monsieur dame, c'est Pertro. La dernière vague, là, c'est pas ce que je préfère, putain. On dit cela. Oh oui, merci. Oh bah, finalement, j'ai trop bien fait d'y aller. Punaise, 7-17, sans déconner. Et je suis qu'à 19 de pièces à état. Si seulement j'avais pu avoir toutes celles-là. Là. Mais bon. Ouais. Ah, ce coup-ci, on peut y aller. J'ai 3 bombes. On peut pas. En dessous, par contre, on pourrait. Franchement. Allez, je tenterai qu'une fois. Voilà. Ça aura rien. Trois pièces, quand même. Qu'on place tout petit qui crée pas tout ce petit monde là. Oh pff, non mais on bomberait bien ça. J'avais pas vu. Allez. Ok. T'es qui? Ça va pas trop mal parce que d'habitude je galère avec lui et bah ouais bah on le change pas hein. Tears up. Alors que je devrais hein, ça me donne 2 stats supplémentaires normalement mais c'est 2 stats tellement aléatoires. Ah non c'est pas Flooded je crois pas si. Ça se passe bien. Ok. Baisse familière. Thank you.
Eh ouais, je l'ai pu approcher, mais j'étais coincé. Oh, mes saloperies de bâtard! Voltage Terming, je sais pas ce que ça donne. S'en fout, on avance, allez hop. La langue, c'est tentant. Parce que ça te bouffe qu'un cœur pour... une récompense en Dark Room. Bon, écoute, attends, déjà j'ai que deux cœurs, enfin deux clés. Il y a le shop. On perd 5 gueules, mais on gagne un cœur. La position dans laquelle je suis apparu, hein, putain! Pas me laisser de pièce, je me barre. Même pas réussir à désosser les caillasses qu'il y avait là, quoi, avec tout ce qu'il a balancé, incroyable. Bon. Je sais plus si j'ai jeté un œil. C'est quoi dans le doute, celle-là, je vais l'absorber. Allez. Plus de puissance et plus de luck. C'est très bien.
Je vais même aller me recharger avec la batterie qui est là. Hop. Voilà. Par contre, faut pas que j'oublie les GPR3 aussi. Oui, il y avait la langue. Mais bon, après, je passe en mode God. Bien, Léon. Ça s'estompe, merci. Oh la vache. Comme ça déjà, rien qu'ici. Incroyable. La noix. Walnut. Touché par une explosion à 33% de chance de détruire le bijou et de faire apparaître une pièce de monnaie, un cœur, une clé et un autre bijou. C'est là. Être touché par plusieurs explosions à la fois compte toujours pour le nombre de pieds, même si... Non, c'est nul. Par contre, du coup, je vais regarder ce que c'est que ce truc là. Old Capacitor. Les objectifs ne se chargent pas lors. Pardon. Lors du nettoyage des pièces, s'ajoute une grande chance de faire apparaître une petite batterie lors du nettoyage d'une pièce. Ah ouais, d'accord. D'accord, c'est pour ça qu'il y a autant de batteries, je me disais depuis tout à l'heure, ouais, quand même, il y en a beaucoup. Ok, je comprends mieux. Oh, c'est pas mal.
Et on se détend. Je vais revoir un petit peu ce qu'il y avait dans la pièce, merci. Pas eu le temps hein, dans l'histoire. C'était un peu violent. Bon, toujours pas mon item. Je t'ai vu, toi, derrière. La chieuse là, t'es toute seule quoi, c'est vraiment histoire de dire on va te mettre une petite tapette dans le pied juste pour rigoler. Bon bah ça c'est bien nul, donc on y va. Allez, il y a plus de chance, pas mal. Ça vient de monter. Ah putain. Ouais, aïe aïe. Cinq clés, ouais, ça se fouille. Ok, ça c'est parfait. Merde. Après, comme dirait l'autre, quand je m'ai fait toucher dans cette pièce là, ouais, ça me donne des pièces donc. Oh, oui, bien, 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 bien. Très bien. Ils sont vicieux, c'est des petites merdes vicieuses que tu détestes, que t'inviterais jamais chez toi. Putain, j'ai 7 bombes, c'est sûr, je ferais bien de chercher la secrète. Mais putain, mais grimpe! Pardon. Non, parce que une fois ça t'énerve, mais deux fois t'as envie de péter un boulon, c'est tout. C'est tout. Quand tu te fais latter le cul par un monstre, déjà t'es chaud quoi. Mais là, par un simple décor de con! Ça t'énerve quoi, c'est tout. Désolé hein. À se reprendre. Voilà, douceur. Tu vois, quand on s'énerve pas, on découvre des belles choses. Comme si t'entendais un peu quelque part les chiens des cigales. Tu vois, quand tu veux. C'est tout con, hein. Putain. Oh. Et voilà. C'est une horreur. Pourquoi avoir inventé ça? Pourquoi avoir inventé ce mode? Je vous le demande. Une horreur. Puis en plus, regarde ça, il te laisse même pas tranquille encore, il te lâche encore des merdes à la fin quoi, c'est au secours,
c'est infernal. Regarde, c'est infini, c'est infini, c'est infini, sa merde là. C'est un peu incroyable. Pff, heureusement à la fin, t'as ce qu'il faut là. Waouh. Mais au secours. Bon, en attendant, j'ai pas bouffé grand chose, hein. La clé est un peu chiante à choper là, non? Incroyable. Prendre 2 balles, l'arcade, mais en même temps, les boules. Les thunes, quoi. La preuve, les thunes. Pour en avoir plus avec la machine, on va essayer de trouver des cœurs. Fan est là. Ouais, franchement, je vais prendre tout de suite. Que de perdre trop, pas sûr qu'on l'utilise, hein, finalement. Parce que finalement, si ça nous plaît pas, on... Pas fou. Ok. Ah. Comme ça, c'est réglé, hein, enfoiré. D'en choper un, de le bouffer, quoi. On sait pas ce que c'est. C'est un activable à la con, ça risque d'être dangereux, quoi. Ah oui, mais pareil, putain, on va pas savoir pour la salle de item. Le item bon. On va le voider en espérant que ce soit pas un activable. Putain. Ouais, je suis un peu chafouin là. Ouais, je suis vraiment chafouin. Allez. Alors. Disparaître ça, s'il te plaît. Oui. Ça, on s'en rend pas. Mais bon. Ah oui, là ça pique, hein! Un petit 10 de dégâts là. Des bombes, non, j'en ai assez. Hop là, d'accord. Pas par là que ça se passe. Là. Pardon? J'ai pas été assez rapide sur ce coup là. La blague. Two of Diamond. What? Two. Ah voilà, du cœur un peu.
heureusement que j'ai de la puissance, je te le dis. Oh putain de... Démon la con. Alors par contre ils peuvent tirer ce qu'ils veulent, hein. ça attire pas du tout. Là. Pas de soucis. Pas de soucis. Donc nous avons un cœur et demi les gens. Pas la meilleure sœur, merci. Allez. Ouais, heureusement là, vas-y. Bah, ça pop. Ça pop dur. Ok, donc niveau accompli. Réfléchissement. On n'a plus rien à void. On a la secrète à trouver. Là, ça peut pas être ici. Non, ça peut pas être là non plus. Ouais. Est-ce que ici, oui. Au-dessus, oui. Et donc on a un demi-cœur, un cœur et demi. On va aller voir la machine. C'est pas foufou, mais bon, on sait jamais. Bon, de toute façon, je suis à 89. Hein. Ok. Bon bah allez. Par contre, il faudra penser à aller reprendre Pertro avant de se barrer. Bon combien? 11,90, c'est quand même pas dégueu. Ce sera la surprise du chef. Bon, ça on prend. Ça on fait péter. Ok. Et là, ben. Bah, en plus, il nous laisse le choix, les enfoirés. Petit con. Soul protection. Putain. Ouais, de toute façon, je vais dire, on va plus grand chose à Void, hein, remarque. On a plus grand chose à Void. Donc bon. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Pertro. On prend quand même, hein. Pour le niveau d'après. Et attends, par contre, j'ai de la batterie. Ah, mais par contre, oui. Par contre, oui. Attends. Grâce à mon truc, là, je vais gagner plein de petites batteries. Oh. Oui. Non, non, ça, en fait, c'est très, très bien. Attends. Choper gratos, hein.
crois que de toute façon c'était tout. Déjà pas mal. Ok. Well, well, well. Après, si je pouvais avoir une petite dinguerie sur mon tir, je serais content aussi, hein, parce que... Ouais, il a de la puissance, il est rapide, j'ai un bon familier, mais... Il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Je me souvenais plus que ça faisait ça, ces enfoirés. Heureusement que j'ai ça, hein. Parce que rien que cet endroit-là, dans les... J'ai une bande d'enculés. Putain, j'avais pas vu qu'il y avait un bord... Enfin, il y avait un trou. Quoi? En fait, faut que je vous aie ça, sinon c'est mort. Ok. Ok. Et ben voilà, ça tu vois, j'aurais pu le changer. Fais chier. Vous êtes dégueulasse quoi, vous êtes dégueulasse. Pour ce niveau-là, vous aurez jamais dû quoi. Jamais vous aurez dû, jamais de la vie. C'est pas bien, c'est vraiment pas bien quoi. Et donc là c'est au petit bonheur la chance, on prend le truc, on le prend pas. Pardon? Ah ouais, faut que... C'est même pas cadeau, quoi. Gimpy. Je crois que c'est pas mal, mais je vais être sûr. Subit des dégâts, il y a une chance qu'un cœur d'âme apparaisse, voilà, c'est ça. Ok. Donc non, oui, c'est très bien. Pour la protection, c'est bien. Bon, pour l'attaque, hein, on repassera. Vu qu'apparemment, on a décidé que c'était là que je m'arrêtais. Voilà, ça commence. Oh non, encore eux. Alors, heureusement que j'ai mon pote. Alors, bah oui, c'est pareil, on s'en fout de ça en fait. Ah bah, ouais, pour finir les thunes.
Le cœur d'âme. Ok. Un cœur bleu. Ça me fera bah, moitié cœur rouge, moitié cœur bleu. Voilà. Bon bah du coup pas de regret sur la dernière salle. Hein. On va voir quand même si c'est pas un coffre doré, on sait jamais. Non. Quand même pas à 100 boules, hein. Lol. Gauche, droite, droite, gauche. Ben, c'était droite. Moi, je cherchais le cœur bleu. Moi. Je suis désolé. C'est pas si loin. On y va vite. Pardon, j'ai dit. Les champs cœur bleu, j'en ai pas besoin. Peut-être en avoir besoin. Mais putain, j'en ai besoin. Les salauds. Ah, si t'es pas assez rapide, vas-y. T'as beau être costaud, rien à foutre quoi. Oh putain, encore un. Faut être niqué. En fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Faut attendre qu'il se batte ta gueule. Putain, mais c'est pas possible. Eh, mais c'est bon, vous allez me lâcher un peu là. Mais j'ai rarement connu pire. Hein. J'ai rarement connu pire. Franchement, ils ont été salauds, mais alors heureusement qu'il y avait de la récompense. Hein. Parce que au secours. Vas-y, le niveau de fou furieux. De fou furieux malade. Arc. Ouais, j'en suis à une heure de vidéo. Et ben écoute, pour la descente, hein, ou pour la descente, on va dire. On va se retrouver sur une autre vidéo. Allez, tchuss, à tout de suite.